RER Sport, il est 8h15. RER Sport, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Mauvaise surprise ce matin. Si votre réservoir est vide, certaines stations-service sont fermées aujourd'hui. La décision a été prise hier soir après 3 heures de réunion du syndicat réunionnais des exploitants de stations-service. Une grève de 24 heures pour protester contre le projet de décret de Victorin Lurel visant à réguler les prix des carburants dans les Outre-mer. Les gérants déplorent le manque de concertation et ils demandent une rencontre avec le ministre qui arrive aujourd'hui. Ce matin dans notre île pour une visite de 2 jours. Victorin Lurel abordera notamment ce matin le dossier de la nouvelle route du littoral et des grands chantiers de l'île. Dans l'après-midi, le ministre aura des échanges sur les thèmes de l'économie sociale et solidaire, puis des entreprises et de la compétitivité. Le locataire de la rue Oudino clôturera ensuite la conférence de coopération régionale avant de mettre le cap sur le sud pour assister au départ du Grand Raid. Demain, Victorin Lurel commencera sa journée par la conférence des présidents des régions ultra-périphériques avant d'aborder la question d'agriculture en visitant un site de conditionnement agricole suivi d'un échange avec les acteurs de l'agriculture du côté du tampon. Désignation du nouveau directeur général de la CIDR. Le conseil d'administration se réunit cet après-midi. Le mois dernier, un jury composé de l'État, de l'AFD et du conseil général avait examiné 6 candidatures, 3 réunionnaises et 3 métropolitaines. Bernard Fontaine, l'actuel général de la SAFIR, serait le favori. RER. Des questions entourent la mort de Fernand Mouniapa. On vous en parlait hier matin. Cet homme de 76 ans a été retrouvé par sa femme gisant dans une mare de sang dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de l'Étang à Saint-Louis. Selon quelques témoignages, le presque octogénaire aurait dit à sa femme alors qu'ils allaient se coucher qu'il allait prendre un verre de lait. Et ne le voyant plus revenir, sa femme s'est inquiétée et l'a retrouvé inanimé dans la cour. Meurtre ou suicide, les gendarmes ont ouvert une enquête. Nouveau feu de végétation hier à la mi-journée à la Confiance Sainte-Marie. Plusieurs maisons ont été menacées par les flammes. Par mesure de sécurité, les pompiers ont fait évacuer 2 d'entre elles. Mais les soldats du feu ont réussi à maîtriser l'incendie. Aucune habitation n'a été touchée. Claude Warraud, convoqué cet après-midi au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, le maire de Saint-Louis, est accusé de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. RER. L'événement de ces 4 prochains jours, c'est bien sûr le Grand Raid. Le coup d'envoi sera donné ce soir à 23h de Saint-Pierre à la Ravine Blanche, direction le domaine Vidotte, Notre-Dame de la Paix et l'ascension du Piton Textor qui culmine à 2165 mètres, puis descente vers Marabout pour attaquer Coteau-Kervéguen à 2200 mètres, c'est-à-dire le toit de la course. Plongeons ensuite 1000 mètres plus bas à Sillaos pour aussitôt remonter au col du Taïbit, descente vers Marla, grimpette vers col des Bœufs, sentier scout pour un premier toboggan vers la Roche Ancrée et dans la foulée ascension de Roche Plate Maïdo et deuxième toboggan vers Sans Souci, Rivière des Galets, Possession, Chemin des Anglais, Grande Chaloupe pour attaquer une dernière difficulté, la montée vers Colorado et enfin l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Les fous auront alors avalé 163 km de sentier. Kylian Jornet apparaît une fois de plus comme le grand favori. L'Espagnol a déjà remporté les éditions de 2010 et 2012, mais la concurrence est rude. Le plateau est très relevé. Les Réunionnais comme Freddy Thévenin, Pascal Blanc, Didier Mussard, Gilles Céfélicité n'ont pas l'intention de faire une balade. Une deuxième course s'élancera aussi demain à 4h, la Mascarenne. Les coups repartiront de Helbourg pour 67 km. Enfin, la troisième course dans la course, le Trail de Bourbon. Le départ sera donné samedi à 4h de Sillaos pour 93 km. Un événement à vivre en direct sur RER Sport qui vous propose à partir de ce soir 66 heures de direct non-stop. Plus de 30 personnes sont mobilisées autour du champion du monde inégalé du Grand Raid médiatique. Et j'ai nommé Patrick, il était avec nous lors du journal de 7h15. Patrick, bonjour. Bonjour. Un Grand Raid 2013, Patrick, marqué par un départ à Saint-Pierre et non plus à Saint-Philippe. Quel est ton regard sur le parcours de cette 21e édition ? Bah, écoute, si on peut appeler ça ainsi, cette année, pour la première fois dans le Grand Raid, on ne va pas pratiquer la diagonale des fous, mais l'équerre des fous.
montée de Saint-Pierre-Vétextor arrive en angle droit avant qu'on bifurque vers Saint-Denis. Et donc, c'est vraiment une édition tout à fait inédite. Et nous n'aurons pas de comparatif hein, par rapport à toutes les éditions précédentes, puisqu'elle est vraiment spécifique à l'année 2013, cet équerre des fous. Est-ce qu'elle engendre des difficultés majeures, ce changement de départ ? Bah écoute, on l'a entendu hein, de la part des pratiquants. Faire 14-15 kilomètres sur du bitume n'est jamais apprécié des raideurs. Hein. Ils sont les spécialistes de la terre, des sentiers. Et c'est vrai que cette première partie rebute bien des spécialistes. Bon, ceci dit, ce n'est que 15 kilomètres sur 160. Donc ça va très vite être un mauvais souvenir, puisque les choses sérieuses vont commencer du côté de Piton-de-Sec vers Textor, même après le domaine de Vidotte, lorsqu'on rentrera dans ces grandes prairies fabuleuses. C'est dommage que ce secteur soit parcouru de nuit, puisque nous l'avons reconnu de jour, et je peux te dire que c'est vraiment une partie splendide, exceptionnellement belle, ce longement que l'on fait au-dessus de la rivière des Remparts. Et un coucou hein, à tous nos amis de la plaine des CAF, éleveurs, qui ont accueilli sur leur terre cette alternative du grand raid que nous avions l'habitude de suivre d'ordinaire. Et moi, je les ai rencontrés, ce sont vraiment des poiquets. Et il faut voir avec quelle spontanéité, quelle gentillesse ils ont ouvert leur prairie au passage de cet équerre des fous. Qu'ils en soient très, très vivement remerciés, car on peut le dire hein, aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, c'est grâce à eux que cette édition 2013 a pu être sauvée. Patrick, le plateau de ce grand raid reste très relevé, avec notamment la présence de Kylian Jornet. Oui, mais bien sûr, c'est fabuleux. Alors on dit l'extraterrestre, l'extra. Il reste un spectacle en lui-même. Hein. Voir Kylian Jornet, c'est toujours un grand plaisir, surtout qu'il revient d'exploits réalisés en Europe. Bon, il a dû, il va nous raconter cette aventure sur le Mont Elbrouz. Il a dû être secouru il n'y a pas très longtemps également. Donc c'est des aventures qui arrivent rarement au grand Kylian Jornet. Et j'espère qu'on en saura un peu plus. Bon, ceci dit, il part comme très grand favori de cette édition 2013. C'est une affaire. Maintenant, nous avons des copies qui montrent leurs boutons, voire leurs ergots. Je n'ai en tête que le nom de Freddy Thévenin, qui nous a tout simplement époustouflé sur la 97.4 cette année, une course qui développe 100 kilomètres. On annonce un Freddy en grande forme, qui a fait d'énormes progrès, qui, grâce à un coach qui l'a pris en main, s'est posé, s'est stabilisé dans son coco. Et on suivra de façon très attentive la prestation de Freddy. Bon, et puis après, il y a Gilles C, félicité, il y a Mussard, et puis il y a les autres. Et puis la course fait 160 kilomètres. Elle dure, pour ce qui est de l'élite, 24 heures. Et en 24 heures, il peut s'en passer des choses. On n'est pas sur une autoroute, là. Hein. On est sur un sentier cabri. On court de nuit, on court de jour, tout peut se passer. Et c'est ce qui fait le piment de la course. Et un piment fort, un piment Martin, parce que on n'est pas à l'abri d'une défaillance ici, d'une chute là. Donc on suivra tout cela et c'est ce qui fait l'intérêt de la retransmission que l'on va vous livrer. Patrick, justement, on est au régime sec depuis 2008. Est-ce que, très sincèrement, un Réunionnais peut encore gagner cette course ? Si je te dis oui, c'est qu'on aura pris en compte tous les aléas
Ah, on l'a dit, tout peut arriver, même les grands peuvent se faire stopper par l'imprévu. À la régulière, Kylian Jornet, on n'a pas inventé l'eau chaude là, Kylian Jornet est intouchable, c'est le plus grand des grands de tous les temps. Imagine-toi que la chose se produit, ben, je suis persuadé qu'on exploserait les ondes. Alors moi je rêve de ces choses-là aussi, parce que c'est le sport qui peut nous produire ces émotions-là. Tout peut arriver, alors restons vigilants et attentifs tout au long de ces 66 heures de retransmission. Justement, 66 heures de direct non-stop en radio, c'est un dispositif déjà bien rodé, Patrick. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce dispositif de RER Sport ? Alors, nous, on a essayé d'être nous-mêmes, hein. On n'a pas changé, vous savez, la génétique, elle ne change pas sur quelques années, hein. Il faut des décennies. Il y a une nouveauté, effectivement, puisque cette année, on n'est plus marron. Comment ? Il y a une nouveauté, effectivement, puisque cette année, on n'est plus marron. Oh, il faut pas le dire comme ça. On est né marron, on restera marron. Et vous serez pas déçus. Non, on sera nous-mêmes. La preuve, c'est que comme ligne de conduite, on s'est fixé de pas être là où tout le monde sera. Voilà. C'est pas marron, ça. Et donc on sera dans de l'inédit, par exemple. Demain matin, au champ du coq, il sera peut-être à 5h du matin, bah on sera à Kotokerwegen. Quand vous regardez le déroulé de la course au Kotokerwegen, on trouve trois tangs et deux chats. Deux lièvres. Donc on y sera. On sera sur le col du Taibit, on sera au petit matin, là également au champ du coq, dans le trail de Brevon, on sera au Cap Anglais. Il faut y aller là-haut, hein. Et il n'y a même pas les oiseaux de fer pour vous amener à 4h du matin. Donc, on y sera. Et puis, on offrira aussi, par rapport aux précédentes années, où je trouve qu'on a fait un peu trop sur l'élite, on essaiera de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que l'élite, je veux parler des meilleurs de la course, aura... les élites ont toute leur place, mais on parlera également de la Réunion qui souffre, les monsieur tout le monde, les mandataires, les vous et moi, c'est-à-dire ceux qui ont fait tant de sacrifices tout au long de l'année, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur famille en général, pour se prouver quelque chose à eux-mêmes. Et donc de cette réunion-là, nous en parlerons en long en large, mais nous attendrons pas dimanche pour le faire. Nous le ferons dès vendredi. Donc cela suppose que nous mettions en place des actions différentes. Ainsi, nous aurons trois fils rouges avec les queues de la course du Grand Raid dès vendredi. Voilà. Et puis, vous savez que ce Grand Raid, par rapport aux années précédentes, affiche trois secteurs totalement différents. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas comparer le Grand Raid 2013 à aucun autre Grand Raid par le passé. Puisque d'abord, vous l'avez souligné, on part de Saint-Pierre, on arrive à Textor, donc ça c'est du jamais fait, d'une part. Ensuite, cette année, on ne passe pas par le bloc Caverne du Four, mais on passe par Kotokerwegen, Mara Joseph, pour pénétrer le cercle de Sillaos. Et ensuite, la troisième nouveauté dans ce raid 2013 qui fait qu'il ne peut pas être comparé à d'autres, c'est on passe Col des Bœufs, non plus Col des Fourches. Triste mémoire, Col des Fourches, l'année dernière. Eh bien, voilà, ce sont des choses qui nous permettront de fixer là également des nouvelles références qui nous permettra d'améliorer les choses dans les années qui viennent. Donc, tout est fait pour que tout le monde y trouve son compte. Et les spécialistes, les experts, avec des chronos tout à fait inédits, RER, et puis tous ceux et toutes celles, je le rappelle encore une fois, qui ont fait tant de sacrifices pour être là au moment prévu et prendre ce départ. 2140 pour le Grand Raid, et puis quelques 1400 pour la Mascareigne et pour le Trail de Beaubon. Ça fait plus de 5000 personnes qui vont souffrir tout au long de ces trois jours, et nous allons vous remonter ces souffrances, non pas pour le plaisir et un peu par voyeurisme, non, pas du tout, pour vous dire voilà ce que l'humain peut faire, voilà ce que nous
pouvons produire si nous voulons vraiment nous sortir de là où nous sommes. Les efforts, ça paye toujours, ça fait avancer l'humain, l'homme, et puis ce sont tous ces exemples-là qu'on va vous montrer et vous retranscrire. Tu nous donnes rendez-vous à quelle heure, Patrick, ce soir ? Eh bien, ce soir à 22h, et puis après, on se quitte plus. On se quitte plus, on prend du plaisir à être ensemble, et puis on partage des émotions, toujours des émotions, encore plus d'émotions, et on raconte la vie réunionnaise sous un autre angle. Et votre question d'actualité reste dans l'événement. Êtes-vous intéressé par le Grand Raid ? Allez-vous suivre les courses ? Avez-vous de l'admiration pour les participants ? Qui, selon vous, va remporter cette course ? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable journée. RER Sport.